Bonjour YouTube, hein. Fais une intro, Shinai, vas-y, on te regarde. Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming. Nous partons pour une nouvelle aventure dans la map, deuxième aventure de For the King, qui se déroule sur la neige. Ouais, c'est l'aventure givrée, je crois d'ailleurs. C'est ça, et je n'ai absolument aucune idée du scénarium, parce que alors, j'ai jamais fait. Il n'y a qu'une seule chose à savoir sur le scénarium, il n'y a pas de régénération de points de vie à la fin des tours. Voilà. Ah, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour nous. C'est-à-dire que si t'as tous tes points de mouvement et que t'attends au milieu de nulle part, tu récupères pas de points de vie. Idéalement, faut aller en tenue du bandit, quoi, en fait. T'es obligé de te payer une auberge et il faut savoir que même attendre en ville te fait perdre des points de vie. C'est salé, là. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de chaos qui vient s'installer. C'est pas faux. Alors bien sûr, on est en mode casual, touriste, comme des gros nuls. Parce qu'on est nuls, ouais, faut se le dire. On est aussi avec Partzival. Bonjour Partzi. Bonjour. Qui est maintenant un vétéran, puisqu'il a terminé la première carte avec moi. Et moi, toujours pas. Et toi, toujours pas. Parce que t'es pas fichu de... Bref. Fichu de réunir avec ton autre connard de pote. C'est celui qui échoue tout. Dans tous les titres, il échoue. Hein. Dans toutes les games, il échoue tout le temps. C'est incroyable, c'est magnifique. C'est merveilleux. Merci d'avoir fait cette introduction qui est quand même bien mieux que ce que je fais d'habitude. Je remercie les gens qui continuent à suivre vaguement à peu près la chaîne vite fait et qui mettent des pouces bleus de temps en temps. C'est cool. Voilà. Vous avez le temps de lire le scénarium que les potes font défiler. Voilà. Il y a un chariot accidenté à trouver, visiblement. Et nous sommes en attente du coup. Alors, on va faire deux achats, hein? C'est moi qui dis ça. Eh, hey, je peux faire les achats? Non. Mais je suis un chat. Envoyez la thune. Ah oh, putain, faut tout envoyer à la blonde. Ouais. Ah mais non. Faire la thune. Je fais rire mon petit frère, j'ai tout gagné. Il est dégoûté. Il est dégoûté de la blague. À tout jamais. Oh, il y a une quête pour la vie. Une quête de vie, est-ce que c'est pas la vie? Quelque part. Que je la prends. Bah carrément, vas-y. Ok. Merci d'avoir révélé quelque chose qui n'existe pas. Allez à Héros en Or dans la forêt sentinelle. Formidable. On adore. J'embrouille. Mais... T'es le genre de meuf, toi. Vas-y. Embuscade. 42%, c'est 100%. Arrête, 22%, c'est 100%. Ah non, tu l'as pas fait. Oh, je suis trop triste. Attaque affaiblie. Ah bah, bravo, maintenant je suis mou du genou. Parce que moi j'aime bien le mou de chat, mais le mou du genou moins. Un blague de forgeron, vous pouvez pas comprendre. Tu nasses. Oh, même pas tu multiplies le truc. Bah, après, il faut pas oublier que c'est lui qui doit d'abord récupérer la thune, puisque c'est lui qui donne les bonus de thune. D'ailleurs, sur notre partie à deux, on a débloqué le succès de plus de. Les plus de. 5000 gold. Et plus de 5000 gold. Envoie l'argent, tu peux acheter une barbe de dieu. Ah ouais, parce qu'elles sont encore à 9 balles ou 7 balles là, non? 10 balles. 10 balles? Donc j'ai pas assez. Et bah ouais, t'es pas assez, meuf. Yesh. D'ailleurs, vous avez m'envoyé vos bourses de Mimidou. Hein. Moi, le tank, c'est moi qui garde les bourses de Mimidou. C'est une loi. C'est la loi du marché. C'est parce que tu veux garder quelque chose, avoue. Ouais. Tu te sens à poil, en fait. Je suis en train de voir s'il y a l'armure vitale dans tout le bazar. Non, il y a pas. Non, il y a rien, j'ai regardé, il y a que... Non, y a rien. Non, mais il y a un petit chapeau, là, moi, qui me plaît bien. Ouais, mais non. Alors, en fait, dans cette carte, la seule chose après laquelle faut courir, c'est l'armure de fourrure, botte de fourrure. Voilà. Armure de bandit, casque de bandit, tout ça. Du bandit, en fait. Y'a rien d'autre à prendre. C'est ce truc qui nous rendra des points de vie, quoi. Ouais. Il a osé m'attaquer. Ok. Yes. Et tu t'es ridiculisé. Ah, il a bien ralenti sa vitesse de jeu, hein. Ah, jamais. Ah, je suis déjà scotché ici, j'ai plus le droit de bouger déjà. Donne les pesos. Dégâts de froid, 1 PV, aïe.
Ça y est, je suis déjà en train de mourir. Eh, donne les pesos. Non, c'est l'inverse, c'est toi qui dois donner les pesos. Non, c'est toi qui dois donner les pesos, monsieur. Comment ça? Mais là, c'est pour acheter une barbe de dieu. Bah, tu... Je l'achèterai, t'inquiète. D'ailleurs, envoie la mienne. Envoie la mienne. Comment ça, envoie la tienne? La mienne, là. Envoie la barbe de dieu, hein. Comment ça, envoie la barbe de dieu, maintenant? Et en plus, faut que je lui donne ma thune. Mais t'es où? Mais comment ça? Mais... Bienvenue dans le monde des femmes. Yes. Cher de partir avec une blonde à l'aventure. Hein. Mm. T'as, et moi qui pensais que vu que j'étais un chat, au moins je serais trop kawaii et on donnerait je quelque chose, mais blonde. Rien du tout. Tout pour la blonde. Oh, t'es quoi ça là-bas? Pardon, j'ai fait une mauvaise touche. On voit ça. Ça y est, la meuf a fait les magasins pendant 24 heures. Bah ouais! Ah, trop beau, bien. Trop bien. Ça, c'est rentable. Ah, ah. J'ai des gros moves hein, de guerrier, hein. C'est vraiment. T'as vu le sac que tu trimbales aussi? Ben oui, mais bon. Non, ils sont RP. Je vais prendre toutes les affaires, moi, il fait froid là-dedans, tu vois. Ce qui est très marrant, c'est que j'ai de la fourrure, mais j'ai froid. Ouais, c'est ça. Ah, ah. Vas-y, t'es pédou, ça va me rapprocher. J'ai l'impression d'être tellement loin. Et là, j'ai gagné des cases de déplacement, j'ai tout gagné. Ah bah, je t'en prie, avec grand plaisir. Mon cher Gnarfi. Les skis 13% de bois. Ouais. Être ridicule, madame. Ouais, je sais. Il y en a un autre qui va être ridicule. Là. Ok, bye. J'ai l'impression que ça tombe mal. Ouais. Bon, on va essayer d'optimiser. Hein. Je tape sur la clochette, vous tapez sur le gobelin. Ça marche? On dit qu'on fait ça? Ouais. Est-ce que vous voulez d'abord que je prenne la provoque sur moi là? Est-ce que c'est critique ou non? Ça a l'air d'être... Vous avez l'air d'être bien en vie là, non? Non, non, c'est bon, c'est bon. Voilà, appui de fée, voilà, et vous tapez le guerrier gobelin. Hein, et personne d'autre. Hein. Ça veut dire qu'il y a personne d'autre à taper. Alors, ange, prochain coup critique, t'es morte. Grosse bite. Ah, on a gagné 2 pièces d'or de plus, j'étais contente. Ouais. Ouais, elle est vite fait contente parce que c'est pas le cas l'argent. Ouais, voilà, maintenant ouais. t'es contente. Oh là. Merde. Bon, bah, y'a qu'un mec à taper, hein. Tu nous feras un petit soin de groupe ultérieurement? Non, même maintenant. Ouais, c'est vrai que ça peut être critique pour toi, mais Pardy, lui, ça va encore, quoi. Mais toi, t'as 18, hein. Ouais, mais bon, moi, ça va, j'ai de l'armure. Hein. Ouais. Mais vas-y, vas-y, fais un soin de crew. Ouais. Bien fait, on est tout bon, on est tout neuf, on prend aucun risque, on est très bien. Ouais. Hop là. Donc, y'a qu'un mec à taper, hein, on est ouais, d'accord. Ouais, y'a qu'un mec à taper. On aura quand même le temps de taper du coup. On va s'assurer le plus possible un crit, même pas. Et ben même pas. Ah bah yes. Ouais. C'est chaud là.
C'est génial. C'est empoisonné là. Moi je le tue pas. Vous êtes deux à encore taper dessus. Ouais, je tape dessus quand même. Voilà. T'étais passé enflammé peut-être. Mais je vais lui récupérer sa torche, t'imagines même pas à quel point. J'ai failli avoir mal. Ah, c'était du génie. C'était du génie. Je sais pas, je me suis dit c'est lui qui joue après, autant que tu joues avant lui. Oh là. Non, tu vois. Je suis à peu près sûr. Bork. J'aime trop le bruit de la masse en fait dans le jeu. Ça et le bruit du bâton. Le bâton c'est trop stylé comme bruit. Aucun d'entre vous n'a besoin d'être vigilant. Non. C'est un malus au talent. C'est pour Ange. Ouais, je le prends. Et je l'équipe. Ça me donnera un peu d'armure. C'est quoi ? Exactement, exactement, ça te donnera un peu d'armure. Et de l'esquive. Ouais. Ça c'est pour le tank. Équipé. Là prends-le, là, prends-le. T'as pas beaucoup de points de mouvement toi. Oui c'est vrai, je suis une tortue. Elle est géniale. Enfin moi j'ai cru que j'étais un chat mais en réalité je m'aperçois que je suis une tortue. Ah, ma blague faisait si mal que ça. On a tous perdu 3 points de vie. C'est dommage, il manque une petite panax. Ah, il se passe des choses. Yes. Il y a des stalagmites. Pour désactiver, il faut être vigilant. Et bah, on en a une qui est à 73% avec le poison. Hein. Donc ouais. Je passe. Fais voir tout ce que tu peux donner là. Moi j'ai 36. Non, mais laisse à la vigilante là. Elle va nous claquer quelques points dedans, elle va nous faire ça bien. Vas-y, impressionne-nous. Impressionne-nous plus. Pour des risques là. Oh la bien joué. Risque. Bien joué. GG. Et du coup c'est toi qui as le plus d'XP. C'est bien. C'est ce qu'il faut. Ah ça y est, plus d'effet de poison. Si, pourquoi re-effet de poison? Hein? Ah ok. Ah merde. C'est juste que nos persos sont pas sur la carte. Ah, j'ai cru que ça avait, c'était fini. Ouais, un coffre. J'avais de l'espoir. Le donjon rentable. Du savoir. Yes. Ah non, ça c'est nul ça. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui collectionnent le papier toilette. Équipé. Oh, c'est pour Bibi. Équipé. Bon, on a s'est fait un peu notre tank. Hein, on va vite faire. Tu casses, on met une plaquette, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, bah. On se plaint pas. J'aurais préféré récupérer la sainte torche, mais bon. Je peux avoir la thune, s'il te plaît. La thunasse. Putain, mais. Elle n'oublie pas, hein. Hein, elle n'oublie pas, la blonde. Elle n'oublie pas les bases. Un livre poussiéreux, un gourdin, un béret. Non, non, mais toi, tu prends ta pipe au niveau 2 déjà. Je peux pas, il me manque 24 PO. Là, tu prends la barbe de Dieu. Prends les barbes de Dieu alors, spam les barbes de Dieu. Voilà, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Peut-être un mot de l'érudit aussi pour toi. Ah non, pardon, c'est ça pas va, ça, je comprends. Ouais, le top, ça va, hein, de son côté. Ouais, bah comme ça, marque de level. Ouais, j'avoue, le petit gourdin grossier, il coûte un peu cher, mais sacré up. Enfin, deux up, c'est pas non plus la fin du monde. Et après, y'a rien quoi. Si béret de l'érudit, ouais, y'a béret de l'érudit. Le livre poussiéreux est bien. Le quoi? Le livre poussiéreux est bien. Ah bah oui!
Surtout que toi, t'as une arme qui fait que du 7, je crois, c'est ça? 6. Ah ouais. Ah, tu prends un petit peu de dégâts, hein, c'est le sympa, hein. Ouais. Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Un parchemin de vision, je vais vendre? Oui. Bon, on s'en fout, on voit rien, on ira à l'aveuglette, on ira taper sur les gens à l'aveugle. Ça fait toujours des pesos. Nous manque Narfang, est-ce qu'on continue à gauche? A savoir que les bourses de Mimidou, elles ont beaucoup d'importance aussi, puisque c'est les seuls endroits où on va pouvoir camper sans perdre de points de vie. Si jamais on se retrouve dans la pampa. Il nous en manque 30. Vas-y, il va falloir que tu viennes perdre la thune. C'est assez cher, hein. Mais vous avez jamais testé. En fait, faut que je vous explique la bourse d'Amadou. Testée hors donjon. Parce que dans les donjons, elle vous fait juste un repos point barre. Quand c'est dans, comme ça sur la carte du jeu, en fait, ça pose un campement pour 6 tours. Pour 6 tours. Et tu peux méditer, tu peux te reposer, ce genre de choses. Et ça reste 6 tours, ça te fait un petit pied à terre pendant 6 tours. Ouais, on va continuer à gauche. Je vous cherche un héros en or et puis voilà. Non, moi, du coup, hein, je vais faire des sous. Tu perds pas de vie quand t'es en ville, c'est bien. Ouais, Ah, concours du meilleur buveur. Qui a le plus de vitalité? C'est Knarfang. Bah ouais, mais bon, Knarfang il est loin. Hein. Ah, c'est toi la plus vigilante, hein? Vigilant. Oh, ah, voilà. Bien joué. Ça vaut de l'argent. Te plains pas, ça vaut des thunes. J'ai rien dit du tout. T'as eu envie de te moquer, mais voilà. Non, mais ça me fait juste rire. Je chope un stuff comme ça, alors que des fois, j'ai rien. Y'a rien que ça, comme ça. Gros déplacement. Ça fait beaucoup d'emmerde. Ouais, j'arrive. Ah. Je vais voir à quel point je peux tanker. Hein. Non, t'es pas. Bah, étant donné que les deux ont perdu, à moins que tu fasses un deux. Bon. Ah. J'ai pas réussi à la faire. Pour un critique, c'est simple. Pas mal le bloquer là. Ça tank quand même, hein. Ça a pas l'air, hein. Un petit peu, hein. Puis ça tabasse aussi. Ouais, ça ponk un peu, hein. Y a un peu une culture du ponk. En même temps, c'est forgeron, hein, c'est normal, hein. T'imagines que le mec en face c'est une barre de métal, t'as le marteau, t'imagines que le sol est une enclume, et puis voilà, t'essayes de lui donner une forme. Voilà. Oh! Je vais garder pour Ange. Je les garde. Oui! Un casque de débilus. Ah! Maintenant je suis un débilus de forêt. Pourquoi tu prends un accent allemand quand tu... Mais parce qu'il y a pic dessus! C'est le casque de Prussie. De Prussie. Ah, incroyable. Baston. Pourquoi t'es tout seul? Ah oui, je suis pas là. T'es tout seul. Super pas le nord, il... Ouais, si j'ai bien compris, c'est moi qui les embrouille, c'est ça. C'est toi le tonk. Voilà. Ouais. Je vais venir boire un Warbem à Lukic. Non, c'est l'objectif de quête. Est-ce que j'y... Ah. Vas-y. Concours à guichet fermé. Ouais. Yes. Voilà. J'aimerais bien qu'ils devantent, ils arrêtent de nous envoyer faire chercher ces merdes à lui paumer un peu partout dans les forêts. Mais bon, ça va bien se passer. Baston. Oh non, mais baston. Ah non, j'avais déjà dit voix, hein. Faut que parti, baston. J'ai même pas eu mal. Ouais, hein, on est d'accord, hein. Oh, bah, moi je suis d'accord avec tout ce que tu fais, hein. C'est le style, ça, ma poule.
Ah, j'ai pas réussi à zoner. Dommage. Ça aurait été beau. Non, on s'en fout, le chat. Le chien. Le chat. Je sais pas ce que c'est un truc. Ah, vas-y, fais de la zone. Récupère la thune tant que la meuf elle est pas là. Ouah, je récupère pour la meuf. Ouah, meuf, tu vas encore manger du sucre. Oh, la belle journée qui fait plaisir. C'est clair. Ah, oui, d'ailleurs, tiens, Pardy, prends ça. Tu transmettras tout. Alors, attends, il faut que je vende. Ah, mais non, je vais pas vendre, tiens. Je te donne à toi, excuse-moi. Prends ça, ça te fera un casque. Et puis pendant que tu transmettras les thunes, je t'envoie les sucreries pour l'autre cloche. Oui, la madame. Voilà. C'est bon, je suis en ville. Je vais pouvoir aller boire un coup, ouais. Mais elle est loin la madame. Oh bah quoi, tu la rejoins, tu la rejoins pas. Oula. Donc, tiens. Ouais, l'argent. Tiens. Et c'est un bonbon salé aussi. Ouais. Il faut encore qu'on trouve la taverne et on trouve un million de trucs. Et il faut aller au héros en or qui est pareil dans la forêt, faut qu'on trouve. Et il faut vraiment qu'on trouve tout, hein. On trouve rien. Trouver des choses. Oh, l'autre il essaye vanille quoi et ça passe. Bah c'est normal, c'est une magicienne hein, 80 en cerveau. Eh, attends. La thune. L'autre il vient me demander pour toi. Eh, la thune hein. Ouais, je viens te demander pour 3 pièces d'or. Ah, t'as pas de muscle, laisse tomber. Tiens, j'ai pas de muscle. Bah vas-y, en vrai, fais-le. Chouf. Ouais. Chouf. Notre XP, t'inquiète. 68, c'est pas 100, hein. Ouh. Je peux peut-être passer en arme à deux mains. Monseigneur. Question de perception, est-ce que vous souhaitez que je passe en arme à deux mains? Oui. Ah bah là, pour l'instant, oui, tant qu'on t'a pas trouvé... Ah, après, il faut faire beaucoup de réussite avec cette arme. Je laisse Ange checker l'arme et me dire ça vaut le coup ou pas. Ouais. À part pour l'enchaînement, il en faut 5, là il en faut que 4. Donc à peu près autant qu'avec ton marteau. J'aime bien ton style de bloquer avec ta bouche. Ton style avec les dents. Ah ouais. Ouais, elle a pris une épaisse hein. Elle fait du 10 de magique, elle fait presque autant que moi. Ouais. Ouais, oh, mais l'avantage c'est que c'est perfecté là. Donc ça veut dire que j'ai 10 de base sur tout le monde. Tiens, prends l'argent. Oui, l'argent, le genre. Bah on va continuer à essayer de trouver des trucs hein. Oh, c'est une belle journée hein. C'est moi ou t'enchaînes? Tu viens d'enchaîner deux belles journées là. Oui. Ah, un scénario dans lequel il faut de la force. Est-ce qu'il faut du muscle? Ah non. Oh bah, je vais récupérer un journal de comptabilité. Tu le veux pas, Ange? Parce que je sais pas compter, moi. Je suis qu'un chat. Donne-moi, c'est de l'argent! Mais moi, je te donne l'argent, y'a pas de problème, hein. Moi, je suis chat d'Ange. C'est-à-dire que c'est elle qui a tout l'argent, elle doit m'entretenir. Bah, maintenant, je suis un chat prussien. C'est pour des journées, en fait.
fallait tabasser le corbeau. Hein? Voilà. Moi j'ai percé sur mon machin. Ah oui merde, c'est vrai que t'as le bon bouquin, t'as un beau bouquin. Bon bah j'ai pas réussi à toucher le corbeau. Les os. Va être ridiculisé pour lui. T'es parti. Je passe l'argent, mais seulement parce que. Oui, alors, normalement faut rajouter quelque chose parce que quoi derrière? Que en sachant que le Japon ne complète pas des fins de phrase, c'est pas valide. Je suis pas là. Ah. Est-ce qu'on a envie de l'attendre? Ouais, c'est ça, est-ce qu'on a envie de l'attendre? Non mais toi, oh, arrête, t'es bête, t'aurais pu explorer les deux cases au-dessus au lieu de gaspiller tes points. Parce qu'en fait faut qu'on trouve tout ici. Et je vous rappelle que si on veut gratter une vie supplémentaire, faut explorer. On a pas encore trouvé le héros chromé. Ouais, tu t'arrêtes pour l'argent, c'est ça, hein. Ah non, tiens, attends, prends le registre comptable aussi, bouge pas. Je donne tout le stuff, là. Ok. Je te donne rien d'autre que ça, hein. Je garde le reste au cas où l'épée, c'est trop chiant. Oh, à ce qui paraît, tu es une femme d'argent et t'as de la chance. Régale-nous. Voilà. En fait, Shinai, toute là. Ta vie en fait, t'as découvert le personnage que tu devrais jouer. Il faut que tu joues des blondes aux yeux bleus, des blondes à argent qui aiment l'argent. Voilà. Je pense qu'on va avoir le droit de claquer une petite barbe de dieu. Hein? Bah, tu nous diras ça. Oh, franchement, je fais l'embuscade de ma vie. Hein. Allez. Noir. Alors, embuscade de ma vie ou pas? Mec, ça a aucun putain de sens. Parce qu'il y avait une chose qui était pas dans la stat. C'était le fait que j'étais un ninja. Ça, non, ils avaient pas la foule. Ninja. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Attaque normale, 32 dégâts dans ta bouche. Oui, c'est l'enchaînement en fait, c'est deux coups dans ta gueule. Ouais, ça fait peut-être un peu des caisses, hein. Ouais, ouais, on va peut-être juste taper, je pense que ça suffit. Ouais, voilà, je pense que c'est suffisant. Je pense que ça va aller. Excusez-moi, je pense que ça va aller. C'est très bien que si je sais parler, il parlerait comme ça. Je me tuais normalement, je n'échoue pas. C'est Vesky. Oh là là, cette esquive à 10%, on a apprécié. Grosse esquive. Hein. Vas-y, tape-le-lui. Hein. Perfect, quoi. C'est dans le sang. Il a laissé ses os, son casque et tout. Je crois qu'on a non, j'ai quand même pas de plastron, j'ai toujours pas de bot, calme-toi. Ah ouais, tu t'énerves, toi, le chaton. Là. Bah, là, j'ai juste un très bon couteau. Après, je te rappelle que j'ai ramassé. Hop, là, ça y est. Hop, oui, pardon. L'a-t-il ? Tu peux équiper. Hein. Tu peux équiper. Voilà. Une écharpe de soie. Tout ce qui peut te donner un poil de défense ou d'esquive, tu prends tout. Hein. Un poil. J'ai dit poil. C'est rigolo parce que je suis un chat. Ah oui, bah vraiment, yes. Aucun humour, hein. Vraiment. Ouais, celui on l'a trouvé. Ouais, le totem de vie augmente de 1 la vie. Je peux lâcher un tribut comme ça. Ça comme. Bah, vas-y. Un de concentration max. Un de concentration pour tous ces 12 d'XP au groupe. Ça c'était beau. Ça c'est un vrai héros. Excuse-moi, ça c'était beau. Ça vous savez pourquoi j'ai un gros sac à dos de marchand? Non. Parce que je suis un charlatan. Pardi va perdre un PV à cause de ta mon petit phare, j'ai tout gagné. Yes. Un charlatan. Un char. Moi je considère que c'est un échec hein, ce que t'as fait. Mais bon. Ouais, vas-y, va agresser le démoniste. Bah non, il mange les smartphones.
Tu crois que ça le gêne de faire des combats sans nous? Alors, non, mais parce que moi je peux faire des combats sans vous. Voilà, c'est tout. Et tu m'excuseras, j'explore la carte et je trouve des objectifs. Comme celui-là par exemple. Mais je vais pas le prendre celui-là, parce que c'est pas très utile que je le prenne. On va pas se mentir. Ouais, 5 à la vitesse. Je pourrais boucler 2. Je vais boucler 2. Voilà, et celui embuscade, 19%. C'est 100%. Jamais. Attends, j'étais tellement dégoûté que ça passe. Franchement, ouais, j'ai arrêté de faire si ça passe. Ça me prend PV, hein. Ah putain. Ok. Allez, ça va être du one shot. Tu feras attention, il y a ton épaule qui vient de traverser ta hanche. Ça va bien se passer. Aïe. Je crois qu'il est refait que je vais trouver cette arme. Oh, mais tellement. Bah tiens. En fait, j'avais prévu le crobat, c'est-à-dire que je me suis dit normalement je passe mon niveau. Voilà, je passais mon niveau. C'est fait. En vrai, le machin, parce que ça donne 5 de vitesse, toi, qui est assez ouais, parce que c'est, en fait, t'as vu, j'ai débloqué les versions du dessus. Du coup, maintenant, t'as l'immunité aux embuscades, 5 de vitesse. Ah oui, ça peut être intéressant, ça me ferait jouer plus vite. Ah. Bah ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais, je peux faire ça, ouais. Ouais, je peux le prendre, ouais, en fait. J'ai rien dit. Et bah, puis, immunité aux embuscades, c'est quand même toujours cool. T'aurais même pu claquer toute ta concentration. Oui, je la claquerai au prochain tour, ça marche aussi. Oui, okay. Je voulais jouer. Oui, oui. Alors en fait, oui, parce qu'en fait, j'ai mis fin à mon tour parce qu'on fait des bisous à YouTube. Bisous YouTube. Ah, bisous YouTube. À la prochaine.